Bonjour mes amis, François, expert de yoga, de méditation et autres techniques de bien-être. Alors on va vous montrer une posture toute simple aujourd'hui qui s'appelle la montagne pour que vous puissiez développer ce sentiment d'être vraiment relié à la terre, ce sentiment d'ancrage, de vous sentir solide, de vous sentir stable, aussi bien au niveau du physique qu'au niveau mental, puisqu'on a vu au cours de toutes les vidéos que j'ai pu faire, vous avez bien vu et compris maintenant à quel point il y a un lien entre la posture du corps physique et puis comment on peut se sentir à l'intérieur, au niveau émotionnel et au niveau mental. Donc cette posture est très favorable justement pour vous stabiliser mentalement, pour instaurer le calme, pour vous sentir solide, serein, paisible. Voilà. Donc on va la faire ensemble sans plus attendre. Voilà, et donc c'est Émilie qui va vous la démontrer. Alors Émilie, ben, comme tu l'as déjà fait, je vais te demander de bien joindre les deux pieds. Les bras, eux, sont le long du corps, les doigts naturellement étendus, mais sans tension. Voilà. Et bien tu peux contracter un petit peu les fessiers, rentrer un petit peu l'abdomen, pour avoir ce sentiment d'être bien tenu au niveau du centre de l'abdomen. Et puis tu peux rentrer un petit peu le menton vers la poitrine, juste sans plus, plutôt le reculer même, comme pour tirer la fontanelle vers le haut, vers le ciel. Hein, et avoir aussi cette impression que la colonne cervicale est tendue et bien alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Voilà. Les épaules sont relaxes. Voilà, et tu respires calmement, régulièrement, tranquillement. Voilà. Et maintenant que tu es là, tu peux porter ton attention sur la manière dont les pieds sont en appui sur le sol et faire en sorte d'équilibrer le poids du corps entre l'avant des pieds et l'arrière des pieds. Voilà, répartis bien le poids du corps entre l'avant des pieds et l'arrière des pieds, mais aussi entre l'intérieur des pieds et l'extérieur des pieds. Voilà, de telle sorte que le poids du corps est parfaitement réparti sur toute la surface des deux pieds à la fois. Voilà. Et tu peux garder les yeux ouverts et peut-être même fixer un point situé devant toi, quelque part, à 2 ou 3 mètres. Hein, si tu es en face d'un mur, toi qui m'écoutes, hein, tu peux regarder peut-être un petit point sur un mur, quelque chose comme ça. Fixer ton regard. Et rester stable, immobile, solide, comme une montagne. Voilà, et puis tu peux libérer la posture. Voilà, espacer les pieds d'une largeur d'épaule, tout détendre. Voilà, vous voyez, c'est tout simple, c'est pas très compliqué à pratiquer, ça prend pas beaucoup de temps. Ça peut vous permettre, quand vous en avez besoin, bah, de vous centrer. Tout d'un coup, quand vous en avez besoin, vous avez besoin de retrouver un petit peu de paix, de sérénité, de solidité, de stabilité, avoir l'impression d'être bien présent aux situations qui sont là et qui s'offrent à vous, que vous avez à vivre. Parfois, Dieu sait, c'est pas facile, hein. Eh bien, vous pouvez vous isoler, aller dans un coin où vous êtes sûr de ne pas être dérangé, prendre une petite minute à peine, vous voyez. Et bon, vous pouvez à nouveau vous sentir prêt à faire face. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour être mis au courant des vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté, mes amis, d'avoir regardé Émilie aussi, qui était là pour vous accompagner. Au revoir.